お前はもう死んでいる。Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Manu Air Geek. Car avec Air Geek, on voyage vers d'autres univers. Et bien comme vous pouvez le voir à l'écran et sur les fonds de déco, on est sur du Dragon Ball Z Dokkan Battle. Voilà. Comme vous avez pu le voir sur les deux dernières vidéos et première de l'année, et ben on a testé du Broly ZTER Endurance à 100%. Parce qu'il y a eu un ZTER récemment. Et là, on est encore sur une vidéo test de Broly, car on va le tester en extrême SBR. Donc, on part de suite sur l'extrême SBR. Donc, le super SBR. On va partir avec une pose de film. Bon, on l'a déjà fait. Bon, les SBR, faut savoir qu'à la base, on était bot farm. Mais j'ai refait avec le boss de film. Donc là, on cherche boss de film. C'est une pure boss des films. Voilà. Et on va partir avec un ami leader. On aurait pu partir avec un couleur pluie. Mais on va repartir avec un Broly 100% et on va se refaire les items. Donc on va prendre, ah oui, un dragon, un Franky et on va chercher un fantôme portier. Voilà. Et on va partir avec cette team là et on part bien évidemment avec cet item ici. Voilà. Pour ceux qui ne suivent pas la chaîne de Lilian 31, c'est exactement la même team que Lilian. Voilà. La petite inspiration team, hein. Parce que c'est vrai que je suis pas trop stratégique. Ouh. Est-ce qu'on claquerait pas déjà un fantôme portier par là-bas? Par ici? Non, non. Bah, on va utiliser un dragon. Voilà. Et on a les deux brûlés à 100%. C'est-à-dire que par contre, le tour d'après, il va faire très mal. Sur... je parle du tour d'après, je parle de... On va passer ces trois-là. Voilà les dégâts qu'il fait. Et les deux brûlés sont à 100%. Le mien et l'ami leader. On voit les dégâts qu'il fait, qu'est-ce que c'est incroyable, vraiment. Et encore là, c'est qu'un Broly. Bon, ouais, les dégâts, je suis plus rien. Et ça, c'est qu'un Broly. Voilà les dégâts de l'autre. Ah oui, quand même. Et voilà. Comment on défonce en un tour du extrême SBR, voilà. Et encore avec cette team là, ça peut faire du un tour et deux tours. Voilà. Mon couleur qui a un doublon. Le Broly ZDLR pluie. Là vous pouvez voir ses stats. 90%, voilà. Donc là on part. Ah oui, et ce Broly avec deux doublons. Il n'y a que le couleur puits qui n'a pas de... Alors, lui on va partir ici.
reprend un Franky sur la def. Et non, on va pas prendre de fantôme portier. On reprend un dragon. Fantôme portier, on va faire sur le tour d'après. Et là, vu que c'est du int, on va le mettre ici. Et voilà. Alors, pourquoi tout simplement j'ai pas mis énormément de sphères de ki sur le Broly Puits? Parce que le Broly Puits, son attaque de base est carnage. Et l'ultime, elle n'est pas carnage. Donc, j'ai privilégié la simple spé. Ou pas. Mais sur du 2-4. Oh, j'ai pris cher en fait! Alors, je l'ai déjà passé. Là, j'ai pris cher. Waouh! Mais là, je vais encore plus prendre cher parce que. La dev de Broly ZDLR, excuse-moi, elle est pas ouf. Hein. Vraiment. Là, il attaque deux fois. Ah là là. Et comment j'ai mal, là, en vrai? Parce qu'après, j'ai plus de... Il me restera qu'un Franky. Mais en fait, j'ai foutu. Mais en fait, c'est que ma rota là, elle est. Ma rota là, elle est en l'air en fait. Ma rota, elle est en l'air. Mais clairement. Parce que. Le tour d'après, c'est dire là j'ai encore galéré. C'est dire le tour d'après, je me retrouve encore un tour avec le couleur, le Broly, puis le Broliand. Il est où dans l'histoire? Il est plus là. J'avais pas le même tour. Mais faut pas s'inquiéter pour ça. Hein. Vraiment. On a un truc magique qui s'appelle les fantômes portiers. Et que font les fantômes portiers? Sur Dokkan, ils ont une particularité. Les fantômes portiers ont une particularité, vous allez voir. Là, vous voyez, je me fais attaquer. Je parle bien des fantômes portiers pour ceux qui ne jouent pas Dokkan. Les joueurs de Dokkan, vous devez savoir. Et c'est parti maintenant. Fantôme portier. Les attaques sont là, elles sont plus là. Et ben voilà. Un agi, un puits, bah tiens. On va tout mettre sur le tech. On balance tout sur le tech. Oui, couleur, tiens, tu passes ici. On va balancer tout ça sur le tech. D'ailleurs, du fait que le Gohan soit puits de type puissance et que les Broly sont endurance, c'est absolument pas grave. Ils font des dégâts de fou malade. De fou malade. Voilà. Gohan Tech, il va se faire fumer. En plus, je crois, je sais pas si je me trompe ou pas,
Mais je crois que moins il y a d'adversaires, plus les dégâts ils se font. En carnage. Ça veut dire que... Mais je sais pas si vous avez observé les dégâts. Mais clairement... Alors, réutilisez un photon portier. C'est combien de tours? Ah, ça fait pas un tour au moins. Eh ben, vas-y, on réduit le 8. Hop. Mais observez les dégâts de Broly 100%. Je suis d'accord avec plein de youtubeurs, au final, le Broly endurance, en termes de dégâts, mais même en termes de résistance, c'est un des meilleurs Broly, hein, Carnage. Excuse-moi, mais le Broly Andre, maintenant, est beaucoup plus violent que le Broly ZLRP, hein, même en termes de def. Hein. Certes, en termes de défense, le Broly n'a pas été énormément amélioré, mais il a quand même quelques capacités. Donc bon. Et voilà comment réussir le SBR. Bien évidemment avec item, mais il est facilement finissable. Voilà. Avant de terminer cette vidéo, on va terminer sur un peu les nouveautés du jeu. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on va aller dans annonces. Tout simplement. Ah, il y a une autre maman qui va venir. C'est où? Annonce, annonce. Ah non, c'est dans événements. Voilà. Alors, c'est pas un nouveau ZTUR, mais ça y est. Des Vegeta ont un ZTUR. Le Vegeta AJ. Donc ça, c'est ses stats de type AJ. On a le Vegeta AJ. Peut passer éventuellement 100%. Qui 80%? Ah, ok. De endurance. Attendez. Non, déjà on est dans le mauvais onglet, on est dans renforcer l'éveil. Ah ouais. Carrément, je l'ai à 100%. Y a quoi d'autre en Vegeta? Le puits, j'ai combien de doublons? Ah, j'ai pas de doublons. Ok, aucun doublon dessus. Et après, il y a celui-là. Celui-là, voilà. Avec... 4 doublons, donc il peut passer 100%. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on a fait un peu petit des news en fin de vidéo hein, concernant les Vegeta. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'autres vidéos d'Okan apparaîtront car 2023, là on est motivé à refaire du Dokkan en vidéo et même des lives hein. Parce que Dokkan c'est un jeu qui est beaucoup plus facile à faire en live. En vidéo, c'est souvent des tests personnages. Ça va être également des teams à tester. Mais pour tout ce qui est farming, Battle Z à faire, ça sera en live. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous êtes joueur de Dokkan, votre level. Si vous voulez m'ajouter en ami, je ne sais pas si sur le profil là maintenant il y a l'idée qui s'affiche. Parce qu'avant il n'y avait pas l'idée. Non, il n'y a pas l'idée. Et voilà, mon ami leader est un que j'ai choisi et mon Goku Super Saiyan 4 Agilité ZLR. Voilà. Il est à 100% justement. Donc rendez-vous pour de prochaines vidéos de Dokkan Battle. Et bien évidemment, des vidéos plus lourdes quand la box sera terminée. Parce que, eh oui, je me suis aperçu qu'au final, mes unités à Dokkan ont beaucoup de doublons. Donc ça réduit la box. Et ça fait qu'on a bientôt, oui, bientôt, je pense en un mois, deux mois de farm intensif, la box complète, sauf les unités d'event spécifiques comme les Tekachi Budokai, ne seront pas Dokkan, mais tous ceux qu'on peut Dokkan le seront. Et même si c'est embêtant à faire, refaire les ZTER pour Dokkan tous les persos, bien évidemment, il y a des unités qui n'auront pas forcément leur valeur de ZTER, parce que pour les ZTER, il faut qu'ils soient minimum SP14, et ça c'est compliqué. Donc, sur ce, je vous souhaite la bise à tous!